Begin after eight taps. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, on poursuit notre petit voyage dans le monde fabuleusement indécent du chasseur, en examinant de plus près ses compétences. Et l'un des gros points forts du chasseur, c'est que des compétences, il en a pas des masses. Et dans un MMO, moins le joueur a le choix entre plusieurs compétences, plus il a de chances d'être efficace. Eh ben oui, mathématiquement, il y a moins de boutons sur lesquels appuyer, donc on appuie plus souvent exactement sur ce qu'il fallait. Chasseur, c'est un peu l'antithèse du maître du savoir, du gardien des runes et de la sentie, qui eux par contre sont noyés sous les compes et faut vraiment choisir la bonne. C'est sans doute pour ça que chasseur est classé dans la catégorie facile au niveau difficulté des classes. Pour autant, c'est pas non plus une classe où un simple roleplay sur le clavier va te mener à la victoire. Il faut quand même creuser un petit peu les compétences et les lire un minimum. Première catégorie de compétences qu'on va examiner ensemble, les postures. Si vous avez été attentif à la vidéo précédente, vous savez déjà que le maître archer, puisqu'on regarde le maître archer donc se bat en posture de force. Ça veut dire qu'il se lève le matin en posture force, qu'il se douche en posture force, qu'il prend son petit déjeuner en posture force et qu'il va travailler en posture force. Et malgré cette brillante démonstration de Captain Obvious, on va pas pour autant retirer les autres postures des barres de raccourci. En effet, les deux autres postures peuvent m'être utiles de temps en temps. Si on examine la posture endurance, indépendamment du fait que je me contrefous complètement de tous les bonus débiles qu'elle donne, je vois que tir rapide rend du moral. Et ça, c'est juste énorme. Je ne vous conseille pas de passer en posture endurance dès que vous avez un petit bobo, mais si vous êtes en groupe et que le groupe va relativement mal et que le soigneur est occupé à soigner le tank, eh ben c'est peut-être le moment de passer en posture endurance pour vous rendre vous-même vos propres points de vie, histoire de soulager un petit peu le méné. Et si je regarde la posture précision, la seule chose qui va vraiment m'intéresser dedans, c'est les 1 point de concentration toutes les 5 secondes. Il arrive de rares cas où votre personnage reste en combat, alors soit parce qu'il y a un ad qui est coincé dans le décor et qui refuse absolument de reset, soit parce que vous êtes dans une cinématique de boss où il est en train de vous sortir son sympathique discours tout en vous maintenant en combat. Ce qui a pour effet de rendre inopérante cette si sympathique compétence qui vous restitue des points de concentration. V'là-t-il pas le moment idéal pour activer posture de précision et pendant que le gonze il est en train de parler, regardez vos points de concentration remonter tranquillement. Mais je vous l'accorde, ce sont deux cas très particuliers et la majeure partie du temps, oui, nous sommes en posture de force. Celle-ci me donne 4040 de valeur de critique en plus et augmente mes dégâts à distance de 34,4%, ce qui est clairement pas dégueu. Mais le plus important dans tout ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, et c'est pas spécialement marqué en termes de pourcentage dans l'infobulle de la compétence, c'est que posture de force ralentit ma cible de 59%. Et c'est méga violent 59%. C'est que le mec, il rampe vraiment vers vous et vous avez le temps de lui en coller plein la gueule. Si je regarde maintenant les compétences avec un temps de caste et qui en général rendent de la concentration, j'en ai 5 et je vais de suite commencer par celle qui va vite gicler, à savoir flèche barbelée. En effet, quand je vois flèche barbelée, la première question qui me vient à l'esprit c'est pourquoi lancer une flèche barbelée au lieu d'un tir rapide? Tir rapide est une compétence qui fait bien plus mal, qui ralentit bien plus, qui se lance bien plus vite et qui se récupère bien plus rapidement. Et je peux voir dans les infobulles que flèche barbelée ralentirait ma cible de 10% alors que tir rapide la ralentit de 59%. Reste le dot, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de 659 points de dégâts toutes les 2 secondes pendant 10 secondes? Eh ben non, parce que en 10 secondes, ma cible elle est largement morte. Surtout si je la ralentis de 59%, je lui en mets plein la patate. Alors que si je la ralentis que de 10%, eh ben elle va m'arriver dans la gueule avec son petit dot sur les fesses et ça me sert à rien. Donc exit flèche barbelée, j'ai pas le temps. On peut s'attarder brièvement sur les autres tirs,
arc rapide amélioré a un temps de cast relativement fort, donc 1.6, mais délivre 3 attaques, ce qui, vu le taux de critique et les dégâts que font les critiques, en fait une compétence mortelle. Et chaque fois que je l'utilise, je réduis le coût en concentration de tir miséricordieux de 1 point. Tir rapide, bah, c'est l'attaque de base. C'est le tir de base du chasseur qu'il faut spammer autant que possible. Il réduit la vitesse, il donne un point de concentration et a 42% de chance de donner un deuxième point de concentration supplémentaire. Et entre nous, je connais peu de classes qui peuvent se permettre simplement de spammer leur tir de base ou leur attaque de base et d'arriver à tuer une cible très rapidement. Le chasseur peut. Une succession de tirs rapides peut suffire à tuer une cible normale. Alors que si vous prenez le champion par exemple, une succession d'attaques rapides, ben vous allez quand même en chier pour abattre votre cible. Mais surtout, et on l'a vu dans les traits fixés, tir rapide a une chance de rendre attaque rapide automatique, instantanée. Et ça, c'est juste énorme. Cherche-cœur, alors c'est souvent présenté comme la panacée du chasseur, si vous connaissez pas ce mot, allez-y cherchez-le. C'est une attaque qui est réputée comme faisant beaucoup de dégâts, effectivement sur l'infobulle on voit qu'on nous prend pas pour des chiffons, ça monte à 10321 comme ça. Et en plus elle ne peut être ni manquée, ni parée, ni esquivée, ni bloquée, donc c'est tout cadeau pour la cible. Mais le temps de déclenchement est de 2 secondes 4, ce qui est énorme. En 2 secondes 4, je peux placer 3 tirs rapides. Et pour le coup, ça rend pas nécessairement cherche-cœur une compétence hyper fumée. Parce que 3 tirs rapides, c'est beaucoup de points de concentration récupérés, c'est une cible ralentie en permanence, et c'est 3 chances d'avoir un arc rapide derrière, gratuit instantané. En réalité, cherche-cœur est une compétence fumée quand vous commencez le combat avec. C'est une compétence que je vais qualifier d'ouverture, ouverture de combat, et encore à condition que vous ayez mis en place le nécessaire pour qu'elle soit vraiment efficace. Et on va voir ça quand on verra les autres compétences. Mais moi, à titre personnel, cherche-cœur n'est pas une compétence que je lance en plein milieu d'un combat juste parce qu'elle est up. Je préfère largement placer autre chose qu'un cherche-cœur. Et tout ça simplement parce que cherche-cœur n'a pas d'effet secondaire. Ça ne me redonne pas de concentration, ça ralentit rien, ça stun rien, ça fait juste du dégât. Et je peux faire du dégât avec beaucoup d'autres compétences. Il n'est pas rare que, en plein milieu d'un combat, chez moi, arc rapide fasse bien plus de dégâts qu'un cherche-cœur. Et je dis bien en plein milieu d'un combat, hein. Pas en ouverture. En ouverture, c'est sûr, cherche-cœur, c'est joli, c'est formidable. Tir multiple, puisque je l'ai, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, je suis allé le chercher dans l'arbre de compétences bleu, et ben c'est une de mes deux compétences dégâts de zone que j'utilise quand je suis en groupe et en instance. Non, je l'utilise pas quand je suis tout seul en train de farmer, elle est pas très intéressante. Par contre, c'est une compétence de tentative, donc elle bénéficie de tous les bonus liés aux compétences tentatives que je peux avoir sur mon arme légendaire par exemple, et dans mon arbre de talent. Elle me rend un point en concentration, mais comme elle peut toucher 6 cibles et que potentiellement il s'agit de 6 critiques, elle est fichue de me rendre 7 points en concentration d'un coup. Si mes 6 tirs sont des critiques, 6 plus 1, 7. Et je vous rappelle qu'à chaque critique, un maître archer réduit le temps de réutilisation de cherche-cœur et dénouement. Alors autant pour cherche-cœur ça m'intéresse pas des masses, autant pour dénouement ça m'intéresse beaucoup. Regardons maintenant les compétences de focalisation, donc celles qui sont instantanées mais qui bouffent la concentration. En commençant par la moins utile pour moi, tir pénétrant. Une compétence tellement pratique dans les phases de leveling parce qu'elle peut se tirer de dos en courant, en faisant volte-face, c'est assez magique de pouvoir abattre une cible grâce à tir pénétrant. Mais quand votre build est arrivé à sa fin et que vous avez choisi le mien, tir pénétrant n'est pas si intéressant que ça. Le principe de l'arbre de talent que j'ai choisi, c'est de monter à 9 en concentration pour pouvoir lâcher des dénouements qui font beaucoup de dégâts. Or, tir pénétrant passe son temps à me bouffer 3 points. De par les dégâts qu'il fait et de par les bonus qu'il donne, mon tir rapide est bien plus puissant que le tir pénétrant en fait. Quand je lâche un tir pénétrant, ça ralentit ma rotation. Et si vous regardez juste au-dessus dénouement, on pourrait rigoler en regardant les dégâts qu'il cause. Mais quand je le lâche alors que je suis à 9 de concentration, au lieu de faire 2868, il me fait 8605 en instantané. Alors ok, il vide. Mais c'est ça justement le but du build, c'est d'arriver à rebâtir très rapidement ces 9 points de concentration
si possible avec des critiques, et de balancer derrière un tir miséricordieux ou un dénouement, avec une légère priorité pour le dénouement parce qu'il fait quand même bien mal. Tir miséricordieux, je le vois presque comme un mini dénouement, c'est-à-dire que je vais l'utiliser le temps que dénouement revienne. Vous voyez qu'il coûte 6 points en concentration et c'est énorme, mais rappelez-vous que chaque arc rapide que j'ai placé a réduit ce coût de 1 point. En général, quand je lance mon tir miséricordieux, j'ai eu le temps de placer 3 arcs rapides, ce qui fait que mon tir ne me coûte que 3 points. Et je vous rappelle que quand il fait un critique, il fait des dégâts énormes. Et pour finir, pluie de flèches, qu'à titre personnel je trouve extraordinairement décevante quand on est en solo, parce que c'est rare qu'on s'amuse à attaquer des packs de 15 ou 20 mobs hein, quand on est solo. Enfin, moi en tout cas, vous je sais pas. Mais les dégâts sont pas faramineux, et la zone est suffisamment grande pour éventuellement aggro un mec qui se trouvait un peu plus loin. Et vous retrouvez avec plein d'ad alors que vous n'en aviez pas spécialement. Quand je suis en mode solo, plus de flèches, jamais. Mais évidemment, quand je suis en instance et qu'il y a un des gros packs, bien sûr que je lâche mes plus de flèches et mes tirs multiples. Mais c'est vraiment les deux compétences que je garde pour quand je suis en groupe et en instance. On continue avec les 3 tirs de contrôle des foules, je l'ai déjà un petit peu évoqué dans la vidéo précédente. On commence par la plus inutile, le célébrissime tir de suppression. Tir instantané qui immobilise pendant 5 secondes et qui coûte 3 points en concentration, auquel je préfère moi le recours à soit tir de distraction, soit flèche de barde. Le premier qui hébète pendant 10 secondes et le deuxième qui fire pendant 15 secondes. Sachant que les deux tirs ajoutent un point de concentration et que flèche de barde en plus va causer quelques dégâts avant de faire l'effet de peur. Alors que tir de distraction est une flèche blanche, c'est-à-dire qu'elle ne fait aucun dégât. Mais l'utilisation de l'une et de l'autre peut éventuellement vous servir à vous occuper d'un pack de 3 mobs relativement costauds. Ou de 2 mobs gênants en en maintenant un coup sous tir de distraction et ensuite sous flèche de barde pour vraiment le tenir à l'écart du combat pendant que vous vous occupez de l'autre. Mais le chasseur n'a pas que des tirs, il a aussi des compétences au corps à corps. Et celles-ci ne doivent surtout pas être sous-estimées. Je dois bien avouer qu'en général, quand on les utilise, c'est que tout se passe pas comme on le voulait. Tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un au corps à corps et qu'a priori, un maître archer n'a personne au corps à corps. Tout le monde est mort loin, très très loin. Cependant, quand un nad, ou même quand l'ennemi, parce qu'il est très résistant ou qu'il a beaucoup de points de vie, arrive au corps à corps, vous disposez de 2 compétences pour vous aider à temporiser et une un peu plus particulière qui sert à interrupt. Angle mort est la compétence qui vous sert à interrompre les déclenchements, c'est la seule que vous ayez, à part éventuellement faire un tir de distraction ou une flèche de barde sur quelqu'un qui est en train d'incanter au loin, mais c'est pas très courant d'avoir le temps de le placer, alors qu'angle mort est instantané. Et j'ajouterai non négligeable que angle mort ajoute 3 points en concentration, ce qui permet derrière de placer pas mal de choses du coup. Mais si votre but ce n'est pas d'interrompre un déclenchement mais simplement de gagner du temps, vous aurez le choix entre coup d'hébétement ou coup aux jambes. Et mon conseil est le suivant, si vous avez une seule personne au cac, c'est coup d'hébétement, parce qu'il est mono-cible. Et si vous avez 2 personnes, c'est coup aux jambes. Coup d'hébétement vous donne 5 secondes de répit, ce qui en général est suffisant pour lancer quoi ? Ben un arc rapide, hein. Ou lancer une compétence qui va vous soigner, ou partir en courant, ça c'est après, c'est à vous de voir. Alors que comme on l'a vu dans la vidéo précédente, coup aux jambes va toucher jusqu'à 8 cibles devant vous, va immobiliser les cibles pendant 3 secondes, va annuler toute perte de concentration due au déplacement pendant 4 secondes, et ensuite pendant 10 secondes va ralentir les ennemis de 50%. Autant coup d'hébétement peut vous servir à stun temporairement un ad pour éliminer son copain avant de revenir dessus, autant coup aux jambes, c'est clairement la compétence que je lance avant de m'enfuir. Parce que toute cette histoire d'immobilisation et de déplacement réduit, comme les mobs étaient à mon cac, je vais pas avoir suffisamment de recul pour armer un cherche-cœur à 2 secondes 4. Il faut vraiment que je me retrouve dans une situation où j'ai quasiment plus de points de vie et il me faut un répit de quelques secondes pour porter le coup fatal. C'est pas la comp à utiliser quand vous êtes en face de 2 semi-trolls full vie par exemple. C'est pas coup aux jambes qui va vous sauver. Si les deux sont au cac, c'est que le combat s'est vachement mal passé et vaut mieux vous barrer pour revenir après. Maître archer, c'est pas du tout une compétence tactique. Pas tactique au sens dégâts tactiques. Tactique au sens où j'improvise sur le terrain et je m'adapte.
Maître archer, c'est une classe stratégique, ça veut dire que le combat est pensé depuis le début, et il faut qu'il se déroule comme je l'avais pensé. Sinon, ben, je m'enfuis et je reviens. C'est typiquement pas une classe pour se sortir de toutes les situations en cliquant sur des comptes. En jouant maître archer, vous vous retrouverez de temps en temps dans des situations malencontreuses où il faudra vous barrer. Parce que vous pourrez pas reculer en tirant, vous pourrez pas poser des pièges et faire des pluies d'épines pour immobiliser les gens et vous en sortir. Et nous voici maintenant à examiner les compétences qui ne sont pas directement liées au combat, mais qui sont plutôt du buff ou du debuff. Et là, pour le coup, c'est la foire. J'en ai 9 à disposition. J'ai essayé de vous les classer des plus intéressantes aux moins intéressantes. On commence par la gauche. Camouflage. Camouflage, compétence très inutile pour quiconque n'est pas maître archer. Voilà, vous êtes camouflé, mais immobilisé sur place. Alors que quand je suis maître archer, je suis non seulement camouflé, mais en plus j'ai 50% de chance de faire des critiques à distance. Et comme évidemment un archer et encore plus un maître archer est capé en critique, ça m'amène à quasiment un critique automatique quand je sors de mon camouflage. Et c'est avec cette compétence camouflage que se joue en général cherche-cœur au début du combat. Le but c'est que mon cherche-cœur soit un critique, imparable, inesquivable, inratable, blablabla. Mais pour être vraiment efficace, il faut que j'arrive à caler quelque chose entre le camouflage et le cherche-cœur. Et ce quelque chose, c'est concentration améliorée. C'est malheureusement une compétence qui ne se lance que hors combat, mais pendant 5 secondes après l'avoir lancée, elle va vous donner 25% de chance de critique en plus, ce qui, couplé avec camouflage, me fait 75%, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, elle va me donner plus 25% des dégâts que font les critiques à l'arc. Donc mon cherche-cœur sera un critique et ses dégâts auront le multiplicateur de 25% en plus. Et bien évidemment, juste après mon cherche-cœur, je serai à 9 points de concentration. Pour placer, par exemple, si je le désire, un dénouement à 9 points en concentration. Et vu que mon cherche-cœur me demande 2,4 secondes, quand je vais lancer mon dénouement derrière, mon dénouement sera toujours sous l'effet de concentration améliorée. Donc chance de critique et dégâts des critiques. Voilà le début de combat idéal d'un maître archer. Camouflage, concentration améliorée, cherche-cœur, dénouement. Et si vous avez un peu de chance, votre cible a perdu entre 30 et 40k de vie. Mais bon, on peut pas non plus faire sa vie qu'entre le camouflage, la concentration et le cherche-cœur, hein, de temps en temps. Ça se passe mal et faut bien sortir les autres compétences de son carquois, pour être poli. J'ai donc placé en deuxième position les deux compétences qui, moi, me servent à me rendre de la puissance, parce que il se trouve que quand le combat s'éternise, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'adversaires, une mêlée générale, etc., j'ai des soucis de puissance. Or, en plus de réduire la menace Persus qui est éventuellement utile en groupe quand le tank s'en va dormir, Insignifiance améliorée me rend 52 points de puissance toutes les 4 secondes pendant 20 secondes. Et Concentration délibérée qui me rend 9 points de concentration d'un coup, me rend en plus 758 de puissance. Les deux cooldowns sont sensiblement pareils, hein, 3 minutes 8 ou 2 minutes 30, ce qui me permet d'alterner l'un et l'autre toutes les 1 minute 30 à peu près, en attendant par exemple que le maître du savoir se réveille. Troisième colonne, il n'y en a qu'une, cri du chasseur. Alors ça a été un cadeau de Noël pour les chasseurs, puisque avant il n'y avait pas ce cri du chasseur, cette bulle protectrice. La bulle était vraiment l'apanage du champion. Et un de ces quatre matins, dans les Landes d'Étain, le chasseur s'est réveillé avec une bubule à lui qui lui permettait d'absorber les dégâts. En plus d'interrompre les stuns, d'enlever tout ce qui ralentissait sa vitesse, de lui donner plus 10% en vitesse de course. Et d'annuler l'effet qu'ont les coups sur les temps de caste, à savoir de les ralentir. Oui, je sais, dit comme ça, cette compétence a l'air complètement fumée. Elle est fumée. Elle est fumée, elle est instantanée, on peut pas empêcher le chasseur de la lancer. Il est relativement imblindable quand il a la bulle sur lui. En plus, la bulle, elle touche 6 créatures, elle ralentit leur déplacement de 50%. Elle fait tout, la bulle. Voilà. Fait le café, la bulle. Mais bon, c'est pas moi qui m'en plaindrai. On arrive vers la fin du classement, j'ai mis pose de piège et vive flamme. Alors pose de piège parce que j'ai pas 2 secondes pour placer un piège à la con devant moi, hein, qui va faire des dégâts de chiottes et vaguement ralentir quelqu'un. En plus, c'est mono-cible. Voilà, c'est un peu à chier. Disons que je le place quand je sais d'avance que le combat il va sûrement partir en sucette, ça permettra de retenir quelqu'un, mais c'est très rare quand je prends le temps de les poser. Et vive flamme, ben pourquoi? Parce que c'est une compétence vachement bien, hein, 40% en dégâts à distance,
Réduction du coût en puissance, c'est fabuleux. Mais je ne me l'explique pas, ça me gave de devoir la lancer à chaque fois. Ça dure que 20 secondes, ça vous défufute si vous étiez fufu, il faut attendre 1 minute 30 pour la relancer, et le maître archer demande déjà tellement de préparation pour être efficace, et je me camoufle et je fais ma concentration et j'incante mon cherche-cœur, que si en plus je prends le temps de mettre vive flamme avant, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça m'énerve, j'ai l'impression de perdre du temps. Je ne lance vive flamme en général que pendant les combats à plusieurs, en instance, et plus pour sa réduction des coûts des compétences en puissance que pour les dégâts bonus. Ça fait pas partie des compétences qui me sont entrées dans le crâne. Et vu la vitesse à laquelle les mobs tombent, j'aurais presque tendance à vous dire, mais j'en ai pas besoin en fait. Et on finit avec les deux comiques. Toujours plus loin qui est le soin du maître archer, un temps de déclenchement monstrueux à 1 seconde 6. Alors heureusement, ça rend grosso modo 4000 en morale et 1500 en puissance. C'est toujours pratique, c'est 1 minute de délai d'attente à peu près. Hein, on est loin de la moyenne des soins qu'ont les autres classes. Clairement. Mais pourtant, c'est une comp qui ne quittera jamais ma barre de raccourci. Et en tout dernier, le célébrissime purge du poison. Pourquoi célébrissime ? Eh bien parce que ça doit certainement être la plus pourrie de toutes les compétences de dispel du jeu entier. Elle ne cible que le poison, elle ne s'applique que sur une cible, et même si en la lisant on a l'impression qu'elle est instantanée, il y a une putain d'animation de merde où vous vous brossez les cuisses qui prend un temps fou et vous empêche de vous déplacer. Et c'est pas le bonus de résistance au poison qui va changer quoi que ce soit. C'est la plus débile des compétences. Quand j'ai un poison sur moi et qu'il n'est pas mortelissime, je préfère me prendre les dégâts du poison plutôt que de perdre de précieuses secondes à essayer de l'enlever. Vaut mieux avoir des popos pour enlever le poison, c'est 20 fois plus rapide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà les cadavres, on a fait le tour des compétences que j'ai moi sur mon chasseur. J'ai évoqué certaines compétences qui ne sont pas dans mes barres de raccourci pour bien dire qu'elles n'y étaient pas. Et croyez-moi qu'après avoir fait une session avec une senti, un GDR ou un maître du savoir, c'est reposant de jouer chasseur. Voilà mes petits cadavres, on a fini la vidéo. Je vous dis bon jeu à vous, rendez-vous peut-être in-game. À ciao !